Plus longue distance des Jeux Olympiques, le 50 km marche. Il va lui rester 100 mètres maintenant à Robert Korzyniowski, le Polonais, pour obtenir la médaille d'or du 50 km. Après 3h et 43 minutes d'effort et une course splendide de Korzyniowski qui a pris les choses en main après les 30 km. Et le voici qui devient champion olympique du 50 km marche, Robert Korzyniowski, le Polonais. Il aura manqué 1 km à Mikhail Chenikov, le Russe, pour pouvoir revenir sur le Polonais. Et Chenikov se contentera de la médaille d'argent. Il en est très heureux. À mi-course, il était loin encore de l'envisager, cette médaille d'argent. Et il l'obtient finalement, aux dépens de Valentin Massana, l'Espagnol, qui va terminer troisième. Massana qui n'était pas médaillé aux Jeux de Barcelone, et Massana qui avait été champion du monde en 93 du 20 km, devient médaillé de bronze ici, sur 50 km marche, en 3:44-18. Le vainqueur, 3h43-29, c'était Robert Korzyniowski, qui ici est félicité par Mikhail Chenikov. Derrière, c'est Arturo Di Mezza, l'Italien, qui avait animé le début de course, qui va prendre la quatrième place de cette épreuve si éprouvante qu'est le 50 km. Di Mezza, l'Italien, et on attend l'arrivée de deux Français, puisque si Thierry Toutain a été disqualifié, il reste quand même René Piller et Martial Fesselier. Cinquième place pour Victor Ginko, normalement, qui est en train d'en terminer.